Eh bien salut tout le monde, c'est Marsbro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc là c'est très simple, c'est un tuto informatique pour les petites pubs que vous avez sur Google Chrome. Donc tout simplement quand vous allumez votre ordinateur, voire même quasiment tout le temps, vous allez pouvoir avoir une petite pub en bas à droite. Donc je vais vous montrer une illustration parce que moi je l'ai enlevée juste avant. Donc voilà, ces pubs, elles sont souvent quand on télécharge un petit truc gratuit. Donc moi, c'était en téléchargeant une musique, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout simplement, c'est très rapide, comment la supprimer. Alors faudra être attentif au nom de la pub, mais ça va être souvent la même société qui va faire ça. Donc on ouvre tout simplement Google Chrome. On va en haut à droite, pardon, sur les trois petits points, on va aller chercher les paramètres. Voilà. On va aller, vous voyez en haut à gauche, confidentialité et sécurité. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous voyez ici avec ma souris, paramètres des sites. Vous cliquez encore dessus. On va après sur notification. Voilà. Alors, ça pourrait être simple, on pourrait désactiver les notifications, mais c'est pas ce qu'on va chercher, étant donné qu'il y a certains trucs où vous avez besoin des notifications. Ensuite, on va aller chercher donc dans les autorisés. Forcément, les bloquer, elles sont bloquées automatiquement, on ne les aura pas. Il y a un petit intrus dans les notifications. Donc, moi, ma pub, c'était Sooner Support. Donc, si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez direct que c'est une société. Vous allez tout simplement faire clic droit, supprimer. Je vais supprimer ça aussi, j'en ai plus besoin. Voilà. Regardez bien tout ce qu'il y a. Hein. Moi, j'ai que ça parce que mon navigateur est relativement propre. Mais par contre, vérifiez quand même si les sites ne vous parlent pas, vous l'enlevez. Vous avez les petits trucs Google au départ. Moi, voilà, j'ai Moto Blues pour les motos. J'ai YouTube forcément. C'est tout simple. Ensuite, après, vous pouvez quitter votre navigateur. Je vous conseille de d'éteindre et de rallumer l'ordinateur. Ensuite, j'en parle assez souvent. Vous pouvez toujours nettoyer un peu plus votre ordinateur en utilisant le logiciel Malwarebytes qu'on peut voir ici. Donc, je vous montre rapidement, histoire que ça passe pas 30 secondes le tuto. Voilà. On peut voir, donc, jamais les premiers liens. Ça, c'est évident, les annonces. Même si c'est vraiment le site officiel, ça peut être quelqu'un d'autre qui se fait passer pour le site. Voilà, le titre, c'est ça. Donc ce logiciel c'est juste une pépite pour nettoyer votre ordinateur. Après il y a la même société donc qui s'appelle Toollib, la société, qui fait AdW Cleaner, donc ça c'est pour nettoyer votre navigateur. À ne pas confondre, on peut nettoyer son ordinateur et avoir son navigateur infecté. Donc là, AdW Cleaner, là il n'y a pas de pub, donc ça va être le premier lien. Pareil, malwarebytes.com, on voit que c'est le même éditeur. Lui, il se met pas dans votre ordinateur. Vous nettoyez, une fois que ça a nettoyé, il s'enlève de l'ordinateur. Voilà, tout simplement. Bon, je sais pas si on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Là, j'en fais une rapidement pour vous montrer un truc un peu embêtant que j'ai souvent des clients pour ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis j'espère vous avoir aidé. Allez, ciao.